Salut. Allez, yo les gens! Bonjour, bonsoir. Ça ou quoi? Qu'est-ce que je voulais faire? Je ne sais plus. Bref. Enfin, c'est quand je fais un retour bureau, j'ai plus de son, c'est chiant. Je suis pas sûr que le son soit vraiment beau. Yo ma Grimmer, comment va? Bonjour, bonsoir. Ça ou quoi? Bienvenue sur ce Phantasy Star Online, le meilleur MMORPG de l'univers. Évidemment. Voilà, on va se mettre du titre. Voilà. Ouais. Petite light, là. On s'est mis en mode petite light détendue. C'est important. Attends, je vais juste rajouter le regain rétro, évidemment. Paf, voilà. Là, c'est beau. Là, c'est jeu Julie. Ouais, ça. Oh! Il m'a connecté de ouf, j'ai rien choisi! Alors. Ah, il y a 63 joueurs quand même! Pour un truc qui est censé être décédé, petit serveur ou je sais pas quoi, enfin bref, 63 joueurs quand même. On va commencer en solo, puis si des gens veulent s'incruster, ce sera évidemment avec grand plaisir, peu importe le level, je m'en tape. Moi je suis niveau 34 avec ce perso, hein, c'est ridicule. Yonox, comment on va? Bonjour, bonsoir. Normalement, le son du jeu est assez, devrait être assez fort. Alors je sais pas pourquoi il y a des trucs de genre de Saint-Valentin ou je sais pas quoi là. Je verserai presque une larme chaque fois que je joue à ce putain de jeu. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Je me fais vieux les mecs. Croyez-moi. Alors on va créer une partie. Épisode 1 évidemment. Mode de jeu. On va se mettre en solo. Difficulté normale. Nom de la partie, comme d'hab, on va l'appeler Pull Pipi. Et le mot de passe, c'est pareil. Franchement, je serai en solo. Hein. Les mots de passe ne servent pas vraiment à grand-chose. Re-Wesley. Enfin, re-yo, parce que je pense pas t'avoir vu cet après. Moi, j'ai pas streamé cet après. Yo Kings, comment on va? Bonjour, bonsoir. Main story, il y a tout. Ça j'adore, il y a tout. Vraiment. Je vais d'abord finir le jeu. Enfin, le finir. Oui, je vais finir les bastons une première fois. D'ailleurs, je me rappelle des touches. Yes. Ouais, je vais bien gérer ma manette. Du coup, j'avais bien géré ma manette, c'était vraiment cool. Inventaire, objet, qu'est-ce que j'ai sur moi? Rien de ouf, hein, juste ce qu'il faut pour aller jouer. J'ai pas besoin de donner d'objet, je peux avancer, donc on va faire. On va faire la mine 1. Ça passe pas très longtemps, j'aimerais tellement y jouer avec toi. Putain, tu m'étonnes. Ah ouais, je suis désolé quoi. Elle est ratée, mon gars. C'est le jeu de ma vie, enfin, c'est un des jeux de ma vie, c'est horrible. Hein. Parce que j'ai les meilleurs et les pires souvenirs avec ce jeu, c'est un peu de ouf.
c'était vraiment le jeu où je passais des soirées de ouf trop bien et en même temps des soirées mi cool, c'est à dire des journées où j'allais au lycée, j'allais récupérer de quoi de la fumette quoi, j'ai récupéré de la fumette et je repartais en stop avec un pote et on se calait devant ce jeu là et on jouait je sais pas 14 heures d'affilée quoi. Enfin, c'était une horreur quoi. C'était en même temps j'ai passé les meilleures soirées, les meilleurs week-ends dessus avec des potes aussi quoi. Donc, c'est chaud. Ce jeu c'est chaud quoi. J'ai kiffé ma vie sur ce jeu. J'ai kiffé ma vie. Pourtant j'ai joué sur la version Dreamcast un peu, enfin voire un peu beaucoup. Et j'ai énormément joué à la version GameCube. On pouvait jouer à 4 sur la même console. Et j'ai jamais finalement eu énormément de loot de ouf et tout, même si j'ai fini le jeu en difficulté max et compagnie, tu débloques rarement des objets spéciaux, tu vois, des vraies armes spéciales et compagnie quoi. C'est très rare. C'est ouf quoi. Fini épisode 1, épisode 2 dans toutes les difficultés. La dernière difficulté, j'ai dû la faire je sais pas combien de fois. Et on s'en contentait, c'était ouf. Je pense que maintenant, on s'en contenterait jamais. Et à raison, hein, souvent. Souvent à raison, tu dis ouais, non, mais c'est normal. Attends, vraiment, le contenu, faut que ça évolue, quoi. Le problème, c'est que quand t'as pas de connexion internet, bah, Phantasy Star Online épisode 1 et 2, c'est ce que c'est, point barre, rien de plus, quoi. Là, cette version, c'est cool. Parce qu'ils ont tout mis, tous les trucs qui avaient existé à l'époque, ils y sont. Les events saisonniers, hop, ils les calent en saison tranquillement. C'est magique. C'est magique du coup. Voilà, celui-là, je vais le manger, c'est sûr. Allez, mets-moi-le dans la mouille. Voilà. Ça coûte rien d'en mettre de la vie. Enfin vraiment je vous invite à télécharger le client. Le jeu est gratuit. Le jeu est cool. C'est entre potes, ça passe une bonne soirée. Donc allez-y les yeux fermés quoi. Oh, Evan Material, sympa. Alors de mémoire, je sais plus si les matériaux comme ça pour passer des points, faut pas justement les utiliser assez rapidement parce qu'en fait t'as un seuil d'objets de boost de stats permanentes à utiliser par niveau. Et au bout d'un moment, ça fait plus d'effet. On était au boss final la dernière fois, putain, j'en rappelle plus. Moi du coup, j'ai repris ici. Si tu me dis qu'on était au boss final. T'as testé PSO2 Kings ou pas du coup? Télécharger encore. Yes. Ça marche. Bah, je me suis mis un peu de lumière, mais pas trop. En fait, c'est bien. Je me rends compte que le soir, c'est cool que ce soit pas ultra lumineux dans la pièce. Là. Après, quand tu vas te coucher à 2 du mat, c'est plus détendu. Là, tu vois, je suis détendu. Quoi. Ça va se faire, ouais. Tu me diras ce que t'en as pensé du début. Moi, j'ai joué une ou deux heures. Ouais, deux heures, je pense. Vraiment juste je me suis fait le prologue, l'explication un petit peu de comment ça se passait la suite et puis je me suis arrêté là, tranquillement. Merde. Ce jeu, il y a un pote qui joue aussi, bah, le gars j'y ai joué beaucoup aussi. C'est dommage qu'il soit pas là malheureusement pour y jouer avec moi. Après je sais pas s'il serait vraiment chaud pour y rejouer maintenant.
Et dans tous les cas, pour l'instant, il peut pas jouer. Quoi. Donc, au moins, c'est réglé, tu vois. Après, il y a 6 classes au lieu de 3 hein, dans PSO2. C'est pas mal. Là, en fait, faire ça. Tu fais ça, du coup, t'es pas ralenti. Vu que tu les vises pas, les objets, t'es pas ralenti. Technique à l'ancienne. Voilà. Yo Pripyat, comment on va? Bonjour, bonsoir. How are you, my friend? Attends, tu veux ce que je te lis? Je te lis dans 30 secondes. Digimon, c'est juste. Ne pas le faire dormir, chier par terre et l'entraîner sans lui filer de la bouffe quand il perd du poids à cause de la faim. Au point que la bulle disparaît après le dit entraînement. La fatigue n'en est pas une. Ok. Bah, tant mieux parce que finalement tu peux pas l'anticiper quoi. Tu vois, autant le reste tu le vois quoi. T'as une bulle qui apparaît, hop, tu t'arrêtes. D'accord, merci Pribia pour ces infos. Demain soir, du coup, la suite de Digimon. Demain soir, on va se faire du Phantasy Star Online. Je sais pas si tu connais. Je pense que oui. Je suis même sûr que oui. Je sais pas si t'as envie d'y jouer. Je sais pas si tu veux que je t'envoie le lien pour avoir le launcher avec le truc réseau. Comme ça, je vois. Sur un jeu d'homme, il a dit quoi. C'est un bonhomme Digimon quand même. Faut en avoir des grosses comme ça. Pour le faire, crois-moi. Merde, je me suis gouré de touche. Je me suis gouré de touche. Objet. Ah merde, il est où le papier où j'avais noté ce qu'il faut pas lui donner? On va dire ça à mon Wamon tout pété. Et j'ai plus Wamon, donc on est ok. J'ai plus Wamon. Là, il va mettre une pompe à évoluer là, si je file des objets normaux. Là, il en a rien à foutre des objets classiques. Pauvre Waman. Non, après, celui que j'ai, il a une bonne attaque là. La bestiole que j'ai en ce moment, elle est franchement, elle est propre. Bon, attends, à mon avis. Ouais. Confuse, confuse, confuse. 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 Je crois que c'est vraiment le pire. La pire confusion, c'est vraiment dans ce jeu là quoi. On part vraiment en couille quoi. Oh mais y'en a combien des confuse là? Poney de la Corrèze, mais non mais après il fait des bonnes attaques, arrête un peu. T'es médisant. J'aime pas les gens médisants. Toujours à médiser quoi. Après PSO2 il est vachement vif en fait. Il est vachement vif. Faire plein de mouvements et tout entre les combos pour pas te faire ouvrir le cul. Enfin, c'est intéressant. Oh. Tulipipe. Tulipipe. Un petit level 35 détendu. And that is good. J'écris ma lettre de démission, il a dit. T'es un ouf toi. J'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin.
Je pensais pas que t'allais bosser un. Je pensais pas que. Merde. Je pensais vraiment pas que t'allais bosser un dimanche soir, moi. C'est dommage. C'est dommage. En fait, à part toi, je me rappelle plus qui voulait jouer à ce jeu. De ouf. C'est bon ça. Après je pourrais m'incruster dans une partie mais... Tu bosses un week-end sur deux, ouais, chaud. Showtime. It's showtime. Moi j'aurais pas dû prendre le deuxième parce qu'en gros quand j'ai trouvé le premier était le bon. Deuxième c'est un piège mais bon, au moins tout est vert. Ah, c'est marrant, dans PSO2 les combats sont vraiment plus énergiques quoi. Et tu peux gérer la caméra et tout. Mais ils ont gardé certaines sonorités. Yo Lucard, comment vas-tu? On veut la complétion, bah oui, normal. Ils ont gardé quelques sons. Oh, je suis en train de faire voir le cul moi. Ils ont gardé des sons à l'ancienne, j'ai kiffé de ouf. Le son des menus, le son des objets, il y a quelques trucs là, c'est les sons d'origine. Oh, je savais que j'allais me faire arnaquer, mais à ce point-là, c'était trop fort. Alors, Johnny Cakes a trouvé un slicer of vengeance, ça c'est cool. Tu vois ce que les mecs sur le serveur ils ont trouvé et de temps en temps t'as des trucs qui disent ouais pendant 90 minutes t'as plus d'XP, attention pendant 90 minutes t'as plus de chances de trouver les objets rares et tout. Oh un power material, là je pense que pendant 80, on est dans les 90 minutes objets rares. Et ça fait quand même beaucoup de power material. Je trouve. Oh, un or! Donne-moi un objet de ouf. Ouais, c'est cool que ça continue à vivre. Comme je t'ai dit, ça vit bien en vrai. Il y a du monde dessus, c'est pas comme si. Tu vois, là, enfin, du moins, rien que sur ce serveur, il y a quand même 60 et quelques personnes. Donc c'est vraiment pas mal quoi. Yonaimer, comment on va? Bonjour, bonsoir. You wanna play? Oh, un rouge. Si je l'encule en premier, on est refait. Voilà, j'ai juste à me barrer. Il faut quand même que je leur tire dessus si je veux récupérer l'XP, mais au moins tu vois, il m'arrive dessus tout droit. Ah, tu peux comboter à l'infini en fait. T'as toujours le système de combo là. En fait, soit dans le 2, soit tu peux attaquer comme un blaireau en martelant la touche. Ce qui fait qu'en fait, ça attaque toujours pareil. Enfin, c'est le même rythme que là. Mais t'as pas le bonus. Par contre, si tu claques tes attaques en rythme, comme dans le 1, alors du coup t'as un bonus. T'as un bonus de combo. Merde, je suis encore gouré de touches, mais c'est une horreur. Je suis trop con, moi. Je voulais créer un compte PSO, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? T'as téléchargé le client, t'as lancé, t'as fait tout ce qu'ils t'ont demandé. Ça va vite en vrai. Ça va super vite. Ah, c'est triste, putain. Est-ce que je peux y filer quand j'ai bâti un seul atomiseur? Ah, ça me fait baisser la défense, j'en donnerai plus. Giga Shield. C'est quoi cette merde? Ah, je peux lui. Merde. Je n'ai pas pu me co. Ah ouais, chelou. Chelou.
et ne dépasse pas sa limite. Voilà, augmente par 2 le taux d'esquive de l'utilisateur, mais ne dépasse pas sa limite. Donc de mémoire, si j'ai pas de conneries, de mémoire en fait, à chaque level, chaque fois que tu passes un level ou 10 levels ou 5 levels, je sais plus, tu as un nombre d'objets de pour grinder comme ça là, maximum utilisable. Après ça t'augmente plus ton. Voilà, façon on peut le faire. C'est quoi, je vais le faire maintenant. Comme ça, je peux récupérer les objets nuls. Moon atomisé. Et le rifle. Voilà, on se casse. À la limite, on va aller au dernier, niveau. On va finir le jeu. Ah ouais, c'est ils ont laissé les trucs de la Saint-Valentin. C'est mignon, mais c'est plus la Saint-Valentin, le mec. Oh, tu montes des beer guys, nice. On va voir. Je vais regarder un truc moi. J'ai vu qu'il y a Mazou et Patapou sur Monster Hunter, donc honnêtement si personne vient jouer. Oui, je te crois, j'ai pas trop le choix en vrai. J'ai pas trop le choix. Ce schnapps, ça a été classe, ouais. Le celui que j'ai goûté était vraiment cool. Scandaleux, ouais, je sais. Ça n'en est pas besoin. Ça fout le garde. D-Grinder ou atomiseur, je vais mettre à la, en banque. Je vais me mettre en banque. Toi, est-ce que tu veux un truc incroyable ou pas? Non. On va se mettre bien les mecs. T'as mis la main sur PSO2 bêta? Ouais. Ouais, ce que je disais, ouais, j'ai testé une heure ou deux. Je l'ai testé une heure ou deux. Retirer objet, j'ai quoi juste pour voir? Ouais, pour avoir matériel, vaut mieux que j'utilise en fait. Vaut mieux que j'utilise. Verdict, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Le peu que j'ai vu, ça a l'air bien. Comme je disais, il y a des sonorités qui ont été gardées, qui ont été préservées, conservées de ce Phantasy Star Online là. Ta chérie squatte la télé, voilà. Tu mettrais un bon coup de pied dans le boule, ça glisserait de ouf. Oh, j'ai presque pas le niveau là, c'est limite hein. Oh, ce qui m'a mis. Foiré. Quel jeu incroyable. Bouge. Ah putain. Mais non, je tape dans le Zef quoi. D'XP, merde, j'ai pas vu combien il filait d'XP ce con. 110, ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il m'a mis ce con? Après PSO2 c'est un peu plus vite, t'as plein de déplacements. Le hunter qu'on cherche, oh putain, je me rappelle plus. Le truc c'est que là moi j'ai pas eu l'espèce de le faux scénar quoi. L'espèce de pseudo scénar, je l'ai pas vu quoi.
Pas d'Xbox One, je peux pas le test, ouais. Ah, je ferai peut-être un stream dessus, un de ces quatre, la semaine prochaine, je verrai. En fonction. Double ou pas? Ah non, c'est bon. Les 4 sont bons. Celui-là, je viendrai avec toi. Tu seras mon translate. Ouais, après, tu peux y aller. Et franchement, franchement, t'es serein. C'est quand même de l'anglais, vraiment. C'est gentil, quoi. C'est scolaire. Ah putain, j'ai rien pour. Oh, je suis dégueu. Je crois pas d'avoir un anti-para en plus. Non, même quand t'es parlé, tu peux même pas faire de magie. Je suis con. Je crois que je ne peux rien faire. De mémoire, tu peux. Enfin. C'est pas comme les autres trucs où t'attends et ça passe. Là, il faut un anti-para. Ou au moins un atomisé, quelque chose, quoi. Ah, le Golio. Fais chier. Oh, je suis trop con, ça m'énerve. Pour être tranquille, ouais, c'est ça. Ça c'est cool, tu peux gérer tes objets. Et boum. Et boum. Objet nul, des monofluides. Je sais plus comment il s'appelle, le Hunter. En plus, il suffit de lire les trucs et de temps en temps, t'as son nom qui sort. Pourquoi suis-je ici avec ces monstres cachés partout? L'armée a-t-elle eu une chance contre eux? Je ne sais pas. On va aller voir, on va se balader. Oh le con. Maintenant. Ouais, genre. Maintenant. Non. Oh! Châtaigne. Mais je me suis fait châtaigner. Le problème c'est qu'à chaque fois que je prends un télépipe, j'ai ma barre de spécial qui descend. Alors la barre de spécial a l'air d'être conservée dans PSO2. Du peu que j'ai vu, parce que moi j'ai pas pu l'utiliser. Par contre j'ai vu un PNJ utiliser genre la méga ultime. Pour te dire voilà jusqu'où tu peux aller. Mon gars ça te crée un strum, mon gars, mais il est ultra vénère. Il est ultra vénère, quoi. Strum de lumière là qu'il a créé était magique. Une espèce de méga licorne plus gros que le monstre. Le strum était déjà immense. Red Ring Rico. C'était ça son nom, putain, mais tu vois, je m'en serais jamais rappelé. Attends, c'est lui que je fume. Heureusement que j'ai pris ma petite chataille, hein, parce que là, celui-là, je pense qu'il m'aurait fait très mal. Raté. Rico Tyro.
Et merde. On met de la vie parce que lui, c'est un vilain. T'as dit blaze. Mais t'as raison, on a l'ancienne. C'est rétro, les mecs. Hein. C'est rétro, donc on est où? Et ouais, cette musique qui tire les oreilles, mais c'est ça. Hein. Bon, il y a quelques sonorités de ce jeu, mais ça me rend gaga, quoi. C'est là où je vois que je vieillis, que je deviens débile. Hein. Il y a des trucs qui marchent, mais bon, il n'y a pas qu'avec ce jeu-là. Il y a plein de jeux où tu as le moins de sonorités, ça me rend ouf. Alors, c'est pour ça que Secret of Mana, le remake, les musiques, je les déteste, quoi. Je trouve que ça a tellement pas la magie du chipset Super Nintendo, quoi. C'était juste incroyable. La réorchestration de Secret of Mana, elle est vraiment... Enfin, moi, elle me plaît pas. Je vais pas dire qu'elle est à chier, parce que ça va quand même se foutre de la gueule du monde. Mais elle me plaît pas. Alors que, par exemple, celle de Zelda, je trouve qu'elle fonctionne très très bien. La réorchestration du Zelda, elle fonctionne de ouf. Tu vas le rater! Simpson intercepte! Il passe à Bart! Ouais, c'est pareil, hein, pour esquiver les ennemis et passer à côté. Tu mets le menu, en fait, tu peux passer à côté super speedy, ça t'arrête même pas. Et bon, faire ça à chaque fois, et est-ce que c'est triché? Je ne sais pas. Ce qui m'a mis, par contre, c'est triché. Oh, ski. Yo Tango, comment on va? Bonjour, bonsoir. Comment on va? Bien ou bien? Ouais, ça va, tranquille, écoute. Hein. Allez. Parfait. T'as des buffs à distribuer, ça marche. Clap-toi. Oh. T'as Mazou et Patapouf qui jouent à Monster Hunter si jamais Tango. C'est quoi, j'envoie un message, voilà, savoir jusqu'à quelle heure ils jouent. Peut-être pas streamer jusqu'à tard là, on est dimanche. J'ai envoyé un petit message mais vite fait. Ça sert à ça le week-end, jouer avec les potos quoi. Donc là si personne n'y a joué, c'est un peu triste. C'est un peu le but là de PSO. J'étais là tranquillou, j'ai me pioter. Yes, ça marche. Ça marche ton bon problème. Nice. Ouais, ce jeu, je pourrais jouer tout seul. J'aurais vraiment aucun souci, quoi. Mais bon, autant en profiter pour jouer avec du monde. Quoi. C'est vraiment le but des week-ends. Quoi. Je suis suffisamment solitaire sur mon putain de marathon de Gaulmont. Ouais, bah ouais, je me fais une petite ambiance ce soir, là.
pense que je vais me faire une petite ambiance maintenant le soir. C'est plus des tendax, c'est un peu de light. Parce que, yo le produit zombie, comment vas-tu? C'est plus des tendax là, les petites lights sur le déco comme ça là. Que une méga light. Alors évidemment vous me voyez mieux avec la méga light. Mais là franchement on se voit bien, on discute. Il y a un côté chill. Chill, détente mon gars. Playlist de Hmoum. Merde. Ouais, ça va bien, je te remercie. Oh, ce que je lui ai mis. C'était magique. It was magical. Je vais pas encercler par les diméniances. Petite escape doll détendue. Oh, attends, ça j'utilise. 18 sur 30, impeccable. J'ai pas regardé par contre sur PSO2 s'il y avait le nombre d'objets qu'on pouvait avoir sur soi. C'est vrai que j'ai pas checké. J'ai pas checké du tout. Mais moi je crois que les robots ils voient les pièges. C'est intéressant de jouer le robot en fait, même si tu peux pas te remettre de la vie par magie. Vu que tu peux voir les pièges, c'est quand même cool, mais de mémoire, hein. Ouais, je me rappelle plus. J'aurais pu jouer la version GameCube en fait. Tu rends compte. Quoi de neuf pour les zombies du coup? À quoi ça joue en ce moment? Oh, ce qu'il m'a mis ce con! Un petit level up comme ça là. On trouve ces étranges caractères un peu partout. J'ai assez d'exemplaires pour comprendre le message écrit sur le monument, je pense. La lumière fait l'obscurité. Une paire existe, mais n'existe pas toujours. La réincarnation n'a pas de fin. La règle est ici. Ça devrait être scellé. Mut dits pumn. Est-ce compréhensible? Ah, rien en ce moment? Capou, il a trouvé quoi? Un slicer? Non, mais tout le monde trouve un slicer of vengeance, quoi. Le truc nul par excellence, quoi. Enfin, nul. Moi, ça m'intéresse pas, quoi, les slicers. SDP boomerang, là. On va se mettre là. Et on va charger comme un ouf. Mais non. Ah oui, c'est la même touche. C'est la même touche. Quoi. Ah, ça c'est bien par contre. Dans PSO2, ils ont fait en sorte que la touche pour ramasser les objets et compagnie, bah, ce soit pas une touche d'attaque. Comment ça, Schwing? TP Restorate. Mais parce que j'ai un Marksman, augmente la précision de 5. Et j'ai vu que j'avais un Général. La grande pression de 6, voilà. On voit un sage-mêlé là. C'est qu'il y a la mise à jour sur Monster Hunter. Soir ce. La Knight, je crois quoi là. Le mag, le pauvre, je l'oublie. Tiens, prends un trimate pour la peine. C'est ma faute, tu as droit à un trimate.
Niveau 17, incroyable. 17 de force. Il y a quand même des musiques qui te détendent le cul, c'est un truc de ouf. Musique vraiment space opéra, mais space opéra cool. Je vais exploser, c'est sûr. Je kiffe ce jeu. C'est une horreur. Je sais pas si vous avez des jeux comme ça. C'est vraiment le genre de jeu où c'est des jeux putain d'aigre doux quoi. Moi ce jeu et EverQuest, hein, les deux, c'est des jeux aigre doux. J'adore ces jeux là, j'ai plein de bons souvenirs avec, mais en même temps j'ai plein de... Je sais pas, parfois je me dis, j'ai perdu un temps ouf en fait sur ces jeux là quoi. J'aurais pu faire autre chose. Là, je sais que j'ai raté, à l'époque j'avais raté des répètes pour jouer à ce jeu là quoi. Il y a quelques répètes que j'ai fait sauter parce que bah, je préférais jouer à ça que d'aller répéter, c'était trop laid quoi. Bon, j'avais pas répété trop non plus, mais je sais quoi, il y a peut-être des soirées que j'ai esquivé pour pouvoir jouer à ce jeu-là, enfin, il y a un truc où... On est con quand on est jeune, des fois, c'est ouf. Pendant un temps, ce jeu c'était vraiment devenu le jeu de la défonce. Pendant un temps, ouais, je jouais à ce jeu, je toujours démonté quoi. J'allais chercher ma petite fumette, je rentrais, je jouais à ça. J'avais même réussi. C'est pour l'anecdote ça, après faut pas. Faire jouer à ça mon bassiste. Du coup, on se retrouvait à être deux connards du groupe à se décalquer la tronche et jouer à ça quoi, putain. Quelle honte quoi. Quelle indignité, monsieur El Kabash, je vous le dis quoi. Oh putain. Tu peux jouer à PSO? Ben vas-y, envoie. Envoie, viens en vocal, j'arrive. Et on va se faire. Ah, par contre, si tu commences, bon, on va se faire le début. C'est quoi, on va se faire le début, tranquille. C'est quoi, au pire, je me fais un autre perso en attendant. Histoire de changer, est-ce que je joue toujours Hunter de la mort. Il vénère lui, non? Aïe! Peut-être que je me faire un petit magicien, je crois que je me suis jamais fait un magico, c'est tellement j'en avais rien à foutre. Ouais, vas-y, viens sur Discord, j'y suis. Enfin, si t'as envie après, pour obliger quoi. Si tu veux, ouais, ramène ton bout sur Discord. Qui m'a mis le con. Bon, ça fait que j'ai repris toute la vie. Oh non, me dis pas que j'ai enculé une scape doll. Je vais être dégoûté quoi. Oh, je sens que j'ai flingué. Je vais te faire un magot. Ah bah fais-toi un magot. Je vais me faire Hunter. Je vais me faire un petit Hunter en attendant. En sachant que je vais vite reprendre mon Ranger après. Je vais me faire un guerrier robot. Je vais me faire un truc que je joue jamais. Parce que tu vois, c'est en fait Monster Hunter et ce jeu-là, je me rends compte que c'est pareil. Quoique, encore à ce jeu-là, j'ai réussi à me faire deux persos différents. Je me suis fait un tireur d'élite robot. À l'époque, j'avais un tireur d'élite robot. Et un Hunter humain. Là, du coup, je me suis fait un tireur humain. Alors que Monster Hunter, j'ai toujours joué GS. Peu importe le Monster Hunter. Depuis le premier, même le... Enfin, en tout cas, le premier que j'ai fait, c'est depuis Freedom Unite. J'ai toujours fait ça. Oh, mais je fais de la merde, c'est un loup.
Oh, j'ai eu du bol. Ah, c'est quoi, tu me dis quand t'es sur le... Quand t'es sur le Discord, enfin quoi que je te verrai sur le Discord. En fait. Je te verrai sur le Discord. Ok, je suis full, parfait, tu vois. Je vais voir si je peux pas utiliser un objet déjà. Ah, c'est peut-être sur. Tu dis le Discord, mais t'as pas. Ah, mais non, mais Twitch, tu m'as dit que t'allais jouer sur un petit PC, mais oui, mais je suis con, moi. Oh le chmou. Oh le chmoumi. T'as faim toi la bestiole? Tiens, mange une trimate, comme ça je pourrais prendre l'autre truc. Mange une D-mate. Très bien. Mange une D-mate. L'ordi de madame. Écoute, s'il marche sur ton... s'il marche sur l'ordi de madame, c'est top. S'il marche sur l'ordi de madame, c'est top. C'est top wear. Top 8. Ah, j'ai pas claqué Masked Doll, c'est déjà ça. Bon, ça, je garde ça. Les TP, si vous marchez beaucoup, bah les steaks. D'ici tous les effets néfastes, Valestek. Impeccable. On va ranger le pognon, la Scape Doll. Juste regarder s'il y a un truc intéressant à racheter. Non. Alors, après, sur la version GameCube, de temps en temps, ça popait là. Mono Grinder, D-Grinder ou Tri-Grinder à acheter au. Au marchand d'objets. Impec. Allez. Hop, on va changer de perso. On va créer un nouveau perso. Collection jeu, évidemment. C'est qui m'envoie quoi là? Ça pue le gros guide. Ça pue le gros guide. Demain tu m'étonnes. Demain après on va squatter de ouf. Monster Hunter. Enfin, ça va être salé quoi. Créer un nouveau personnage. Oui. Je vais me faire une meuf. Vénère. Ah, puis on va entendre, on va se refaire l'intro là, ça va être magique. Ouais, je suis désolé, je suis en surkiff. Ouais. Bon, par contre, autant sur GameCube et tout ça marche, mais là, je sais pas ce qui se passe, c'est pas beau. Trop bien cette zik. Je vais mettre cette zik là à la fin du stream. Mais bon, mais pas sorti sur PS1, donc c'est pas. Il déconne le truc! Ah, mais non, mais c'est normal, oui, c'est parce que c'est 4 tiers normalement. Eh oui, oui! 4 tiers normalement, les mecs! Le truc, il est pas bien quoi! C'est de te mettre un peu d'image sur le côté au cas où, mais. Tu sens que non, 4 tiers, cherche pas quoi.
Sur Discord, tu te mets sur en salle d'attente et je te glisse en live. Normal. Yo Nocti, comment on va? Bonjour, bonsoir. Alors attends, je vais te glisser. Alors je vais voir si je mets le casque ou pas. Ou si je t'entends suffisamment, on va voir, ça va être la surprise. Yo Neymar, bien? Yo, tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends. Alors attends, ce que. Vas-y, parle. Oui, tu m'entends bien là? Bon, je vais t'augmenter de ouf. Ah bah j'ai juste coupé le son alors du. Enfin j'ai coupé le live. Je vais t'augmenter de ouf. Vas-y, parle. Allo, allo, allo. Je vais te mettre à 150. Vas-y. Dis un truc de ouf. Bon, toujours pas assez quoi. Non mais c'est moi, je te monte en fait. C'est pour Ok. comme ça moi je vois les niveaux. Là ça m'a l'air bien. Voilà, là Hein? c'est. Ah c'est bon, je Ah t'entends bien. ouais. Ah, j'ai joué un peu. Bon, je vais essayer de pas mettre de. Je ferai demain. Qu'est-ce que tu feras demain? Sortir le toutou. Ah le pauvre. Ma femme, en fait, elle l'a sorti toute la journée. Ouh, par D'accord. contre, faut que je descende le son du jeu. T'es encore là? Ouais, t'inquiète. Ouais, faut que je trouve un moyen de descendre. T'inquiète, je suis là. Je me mets D'accord. bien. Je m'installe toujours plus près du poêle. Énorme. Putain. Quoi de neuf, Noctilus? Je vais me faire une guerrière robot. Qu'est-ce qu'il y a comme tête? On rigole. Ah, mais il y a un chat là, je fais. Oh, il y a des bruits de gouttes d'eau, des bruits de. Ça slurpe ou je sais pas quoi, mais c'est le chat en fait, est en train de se nettoyer derrière moi. Y'a que ça comme tête? Non. Bizarre. Alors qu'est-ce qu'on va se faire comme robot? Y'a pas 40 000 choix non plus, mais. On va se faire un truc sympa. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. 18. Le 18. Je garde en tête le 18. J'ai vu 18 ou le des costumes qui 36. étaient dégueulasses. Qu'est-ce qui est dégueu? Les costumes. Ah ouais, les costumes, et puis là, il pue la piste, tu peux y aller. Ouais, je vais mettre comme ça. Ouais, Ouais, je vais mettre ça plutôt. Proportion, on va faire. Voilà, un truc comme ça, c'est pas mal. Character name. Caractère Neymu. Ah oui, je vais faire au clavier, je suis con. Voilà, ça c'est pas mal. Ok, USA. Et je suis Green Hill. Yuka Seal, Green Hill. Fognon. Rekings. Ouais, ça va être marrant, je vais faire un Hunter. Du coup, tu vas faire un mago? Ouais, c'est ça. Humain ou elf? Elf, par contre, faut que je trouve le moyen de baisser le son du jeu. Faut que t'ailles dans les paramètres de ton PC. Enfin, tu sais, le mixage. Mixage des sons et que tu baisses. Parce que dans le in-game, y a pas, je crois. Attends. Allez, Stipa. Mais qu'est-ce qui se passe? Y a Neymar qui a rejoint. Neymar qui a rejoint. Oui, Et on a un du problème coup, quoi. vu qu'il commence, je vais me recréer un perso. Plutôt que de refaire le début avec un personnage niveau 37. On va se faire un personnage. Alors, Ultima. Bloc 1. On va dans le bloc 1. Mec, ils sont Attends. calés de ouf déjà. Bloc 1. Yes. Oh, attends. C'est toi là? Est-ce que je vois comment je me déplace? C'est toi avec les bottes longues là? Ouais, c'est ça, ouais. Avec les compensés? Et moi aussi je mérite d'être ready, Kings. Il est dégoûté, il aimerait trop venir jouer lui.
à moi ce que t'as le gizou que t'as fait quoi, un truc de ouf. Ouais, par contre faut que je trouve des touches putain. Ah ouais, configure bien ta manette. Moi j'ai bien configuré la... Ah le clavier, ah ouais, configure le bien, ouais, quand tu sois à l'aise. Ça comment Alors t'appuies sur la touche je sais pas. En gros t'ouvres le menu et tu mets contrôle clavier. Configuration, configuration du clavier, tu vois. Tu vois le délire? Pendant ce temps, j'ai fait organiser une partie, créer une partie, épisode 1. Mode de jeu, on va se mettre en normal. Difficulté normale, c'est très bien. Le nom de la partie, ça va être Pulpipi. Et le mot de passe, ce sera pareil, ce sera Pulpipi. Attends. Ça t'aura plus qu'à rejoindre, je t'attends PPR. C'est quoi le Buffalo au pied que t'as fait dans la Kim, il te demande? C'est quoi ton personnage, pourquoi? Moi j'ai fait un personnage stylé de ouf. Ah t'inquiète, il est claqué nul mon perso aussi. Donc là j'ai un cyber, là j'ai une vieille frame. Là j'ai rien, normalement je dois avoir un mag, voilà. Objet. Piège de feu, piège de glace, c'est vrai que je peux faire des damages. Damage trap, je crois que j'ai jamais utilisé. J'ai jamais utilisé, même quand je m'étais fait mon... Mon tireur d'élite robot, je n'ai jamais utilisé ces merdes. Pourtant ça a l'air... En fait c'est... apparemment c'est cool. Mais... Fenêtre d'échange, je n'ai aucun joueur. Fenêtre d'échange qui ne sert absolument rien. Quand tu veux filer des jouets, des objets, t'as juste à les poser au sol. Ouais, je te laisse faire ta config, pépère. Ouais, je crois avoir plus ou moins compris. Je crois que c'est. Mais c'est en anglais. Ah, il y a un perso en plus. Bienvenue, nous pouvons vous aider à trouver du travail si vous êtes inscrit. Voici mes recommandations. Et le gouvernement, ils veulent quoi? Go down to regular surface and report on the conditions there. Oui. Pardon? Oh, je parle à ma femme. Ah, attends, oui. Voir, je reviens. Ah, mais c'est bien, quand tu parles à ta femme, je t'entends pas, donc du coup, c'est parfait. Au moins, je sais que c'est pas moi que tu parles. On va passer ça, hein. Voilà, on connaît. On connaît les mecs. C'est des grands moments, mais on connaît quoi. Bla 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 bla. Non mais quand c'est pas pour moi, quand il ne parle pas à moi, du coup c'est bien que j'entende pas, ça me semble évident. Cela me semble... Ah oui, Red Ring Rico, le voilà. Rico's only daughter. Please look for her. Mais je vais looker for her, mais de ouf. Déposer mes états. Du coup, je vais attendre. Tranquille. T'en sors ou quoi? Non. Merde. Attends, parce que j'ai un problème avec ta mère. Kings, il est dégoûté. Il était deg, quoi. Ça va bien se passer, t'inquiète.
comment tu gères la caméra? La caméra, t'as juste une touche en fait pour mettre la caméra derrière toi. Tu peux pas gérer la caméra dans le jeu. D'accord. Et ouais, c'est à l'ancienne, t'attendais à quoi toi? T'as déjà joué à PSO ou quoi? Ah non, Emar, t'as déjà joué à PSO au moins? Ouais, mais sur console. Ah ouais, bah c'est pareil. C'est pareil. C'est pas de faire chier avec un clavier, quoi. T'as pas une manette à la con, mon chien? Pardon, je baille. Je suis claqué déjà, putain, c'est chaud. Je crois que je vais pas jouer 10 000 ans. Je joue une grosse heure, après je me fous trop pieux. Oh là là. Côté, moi je suis dans ma partie. Tu vas sur l'ordinateur là, tu mets rejoindre une partie. Et tu choisis Pulpipi pipi avec le mot de passe Pulpipi. L'ordinateur est où? Là où il y a les meufs. Là où il y a les... l'accueil du coup j'irai. Tu mets rejoindre. Rejoindre. Partie, transport ou équipe. Hein? Organiser partie. Ouais, organiser ouais. Transport. Organiser. Voilà. Draken rejoint la partie, veuillez patienter. Ben voilà, magique. Ah non, tu pop ici, non? Ah non, tu pop chez le général. Là, j'ai déjà parlé au général, j'ai déjà dit. Il m'a déjà dit d'aller évidemment visiter Ragol, voir ce qui se passe. Je sais pas si toi tu veux aussi la lancer. Voilà. Ah ouais, t'as disparu. Après, tu iras dans l'inventaire équipement et tu t'équiperas de ta canne, de ton armure et de ton mag. Après, on ira se balader. Oh, c'est chiant ça, Draken rejoint la partie. Je t'entends pas trop là. Je dis ah, objet. Occuper. Okay. Oui, mais c'était qui? Ouais, équipe-toi hein, avant qu'on parte. Ouais, c'est fait. D'accord. Ok. Bah, allez, c'est parti. C'est parti où du coup? Là, regarde. On va aller se faire le début pépère. Hop. Ah oui, c'est vrai que c'est ça.
te laisse tous les fluides, hein, évidemment, tous les trucs de magie. Sache que tu peux remettre de, te remettre de la vie, remettre de la vie aux gens avec, avec les magies. C'est pareil, ça faut que tu te les mettes les raccourcis. En sachant que là, t'as trois boutons, t'as trois touches. Et normalement, tu dois avoir une. Faut que t'appuies sur une. Faut que tu laisses appuyer sur une touche. Donc, je crois que toi, normalement, c'est contrôle pour avoir accès à trois autres touches. Après, tu les assignes comme t'as envie, quoi. Tu vas dans palette d'action. Et dans palette d'action, tu mets ce que tu veux, quoi. Du coup, moi, en vrai, moi, je sais pas ce que je vais mettre. Là, je mets toujours un télépipe. Et après, je mettais les trucs de soins, mais en fait, j'aurais pas besoin de trucs de soins. J'ai pas de magie, moi. Donc là, ça va être pépère. À la limite, si je mets D-mate et Tri-mate, voilà. Ouais, tu vas commencer avec des petites magies gentilles. Normal. Allez, c'est parti. Alors, normalement, sur GameCube, je sais plus comment c'est maintenant. Mais à l'époque, si tu touchais pas un ennemi, tu gagnais pas d'XP. Oh, ce qui m'a mis, ce con! Ouf. T'es où? Bouge. Va pas prendre de risques. Viens. Et c'est mon décès. Mais non. J'ai rien en plus pour te raise. Donc là, tu vas dans le boule. Ouais, toi t'es un magico, faut que tu fasses attention, quoi. Ah, c'est surtout que je passe encore. Toi, faut que tu balances des boules de feu de loin, un truc comme ça. C'est vraiment les coups au corps à corps. Mais genre, même pas 1% du temps, faut que tu utilises, quoi. Oh putain, faut que je me refais, hein. Je vais faire un peu le ménage. Mais non. Ok. Ah, c'est vrai que je peux utiliser les handguns aussi. Ouais, mais non, je vais me le faire comme ça. Yoremo Cassoulet, comment vas-tu? Bonjour, bonsoir. Hey, what are you, my friend? Comment on va? Wanna play some Phantasy Star Online nu? Oh yes. Avec toi là? Hein? Avec toi. J'ai pas compris ce que tu m'as dit. Je dois être avec toi. Ouais, t'inquiète. Oh. Voilà, tu vas privilégier les combats à distance. Hein. Oh, ce qui m'a mis ce con. Mamie! Ouais, tu vois, si tu touches pas les ennemis, tu prends pas d'XP. Oh putain, je prends des châtaignes. J'ai pas l'habitude de jouer des persos chiants comme ça. Oh non. Après, il y a des moments sympas en Hunter là, quand t'as la grosse épée là, et tu tapes tout le monde. Les mecs qui sont devant toi, tu les touches tous. Ouah, mais je sais pas viser, c'est un truc de ouf. Je jouais sur GameCube avec un pote. Ouais, moi aussi. Il jouait pas en ligne. Maintenant on peut y jouer en ligne sur le Discord. Oh. Tu as le lien du jeu qui est gratos. Le serveur, il est trop bien en plus. C'est un serveur comment? Des mecs qui ont sauvé, je pense, le serveur officiel ou je sais pas. Et il y a absolument tout. Pourquoi t'as envoyé KZQ? Pourquoi t'as envoyé des lettres et des mots bizarres? Donc si jamais tu veux venir jouer... Chercher la touche pour ramasser les objets. Oui. Des trucs au hasard. Ça c'est quoi, Monomate? C'est pour moi. Enfin, c'est pour nous. Happy Rush Crazy Delicious Hour. 30 minutes là. Il reste 30 minutes pour. En fait, pendant 30 minutes là, on a des bonus, je pense. On va avoir des objets un peu claqués, des je sais pas. Happy Rush Crazy Delicious Hours. Faut vraiment que je trouve cette manette. Ah bah ouais, faut jouer la manette après. Oh non. Alors, moi j'aimerais bien faire vivre ce serve. Je me suis fait un petit perso là, j'ai un ranger sur le niveau 37. C'est pas ouf, mais il a le mérite d'exister.
J'ai pas testé Doom Eternal encore, non, malheureusement. J'ai un retard de ouf sur plein de jeux, donc tout ce qui est jeux récents, pour l'instant, c'est vraiment pas pour moi, malheureusement. J'ai pas les sous, quoi. Petit paralysie, je te le laisse. Monoflux, je te le laisse. Barrière, prends-la, ouais, comme ça t'aurais une meilleure défense. Je prendrai la prochaine. Ouais, non, mais oui, je sais, un de ces cas, je voulais frère. Mais là, en ce moment, c'est vraiment pas le moment. Pas de sous, pas de. Je pense, comme beaucoup d'indépendants, vu qu'on veut pas sortir, c'est la merde, quoi. C'était vraiment pas le moment d'être indé. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Et encore, je me dis, j'ai de la chance que j'ai peut-être moyen de faire les cours en visio, là, quand je pourrais, donc voilà. Je me prends des mandales. Personne vient acheter pour y jouer. Ouais, je me doute. Je me doute qu'il y a toujours moyen de faire le fanfaron, mais bon. Après, ouais, pour l'instant, on verra plus tard. Heureusement, j'ai beaucoup de jeux à faire, donc. T'en sors, Neymar? Ouais, c'est juste que je m'en retrouve. Ah non. C'est génial, chez Bethesda, on peut protéger le fichier exe. Tu peux y jouer en ligne, même avec une version pirate. Les cons. Oh, les cons. Ouais, j'ai la Switch, Pro du Zombie. J'étais pas en ami sur Switch? Ah merde. Point d'exclamation code ami. Ou point d'exclamation PSN, tu l'auras aussi. T'as mon code ami, tu peux me rajouter si tu veux. Un petit level 4 qui fait du bien. Vivement que j'ai une épée qui touche tout le monde là. Ça, c'est moi, c'est vraiment mon truc, quoi. Le but, c'est vraiment que j'empêche les ennemis de t'attaquer. Comme ça, toi, tu peux envoyer des boules de feu, des machins. Bientôt, il faudra quand même que t'aies aussi un truc de PV. Comment un resta, quoi. Un truc pour remettre de la vie et tout. Pour me sauver les miches quand il y a besoin. Pas la Switch ou ouais, pourquoi tu me demandes si j'ai la Switch du coup le produit zombie pour deux, je pense. RE3 Remake, j'ai pas testé encore la démo. Ah, j'ai mis un TD. Je t'ai sauvé les miches. C'était incroyable ce qui s'est passé. Je t'ai sauvé tes petites miches. Écoute-le lui. Tu devrais tester Animal Crossing. Mais tu sais quoi, j'ai jamais eu autant envie de jouer à Animal Crossing de toute ma vie. C'est horrible. Alors que enfin c'est pas que je déteste, mais j'ai eu une période enfin Harvest Moon, un peu dans le délire, Animal Crossing. Et puis d'un coup. Comment 98, ouais, je sais pas. Et puis je sais pas, au bout d'un moment j'avais marre, c'était plus mon genre de jeu, j'avais plus envie de perdre trop mon temps à faire des jeux de gestion, des jeux comme ça, quoi. Et là j'ai envie d'y rejouer là. Donc ce que je vais faire, j'ai un Animal Crossing sur Wii U. Qui est pas vraiment Animal Crossing, mais je vais le faire juste pour rigoler. On fera un stream dessus là, histoire de taper des barres. Ouais, fais gaffe, va remettre de la vie s'il y a besoin. Yes. Et puis
puis dès que je pourrais, je me prendrais celui-là. Je regarderai combien ça vaut sur. Parce que généralement, les jeux Switch, ça vaut 40 balles. Peut-être me prendre Animal Crossing, je me dis, il y a moyen de me détendre un peu, quoi. Merde, j'ai pris un monofluide. Je vais te le poser au sol. Dès qu'on aura buté tout le monde. Et du coup, t'aimes bien toi les Animal Crossing pour les zombies? Ah merde, y'en a d'autres. Chier, c'est là, j'allais te poser le monofluide. Oh, je fais que les rater là, c'est quoi ce truc de ouf? Attends, je vais venir te sauver les miches. Eux, faut pas leur tourner le dos, sinon ils t'attaquent. Tant que t'es face à face, ils attaquent pas. Ah bon? Ouais. Ils attaquent que quand ils ont l'impression que tu les vois pas en fait. Faut juste pas les avoir dans le dos. Oh, un petit level 5. Ouais, tout à l'heure je raderai un petit peu dans mon inventaire si j'ai pas les trucs pour toi. Parce que là je ramasse sans faire exprès là, vu que malheureusement la touche d'attaque c'est la même que la touche pour voilà, nickel. Ils sont où ces cons? Alors mes objets, inventaire, objet. Qu'est-ce que j'ai? Monofluide. Ça c'est pour toi. Bim. Une canne. Ça c'est pour toi. Inventaire, objet. Ah, mais j'ai encore des monofluides, c'est quoi ce bordel? Tiens. Là, toi, je t'ai mis un monofluide juste derrière toi. Tu as jamais joué, mais t'as vu un gameplay, du coup, ça te sauce ou pas? Et un monofluide ici, si tu veux, aussi. Mais ça fait du bien. On en fait, ça pompe du mana. Hein. Quoi? Ça pompe le mana. Ah, les kiki. Tu peux attaquer de loin normalement. Des fois, ça les fait fuir quand t'es vraiment assez loin. Putain, mais tout le monde trouve des slicer of. Ah, quoi que là, si j'ai un hunter, le slicer of vengeance, ça peut m'intéresser. Carotte. Garde-les à l'œil, ouais. Ça, des fois, tu peux les taper et gagner un objet sup. Ça te tente? Nice. Du coup, tu vas peut-être acheter une Switch. Oh, ce qu'il me met, lui! Foiré, va. Bah. T'es où, toi? Oh, bien, ouais. Bien, ouais. Prends-la, elle est verte, c'est-à-dire qu'il y a un petit bonus. Voilà, moi, ce qu'il me faut, c'est un bouclier. J'en ai pas du tout. Le seul qui est sorti, je te l'ai laissé. Merde. Donc il faudra que je m'en chope un autre. Fais gaffe, il y a encore des ennemis. Hein. Je vais me faire un Wii U challenge, moi, bon, ça continue. Un Wii U challenge, t'es pas prêt, quoi. Et que des jeux nuls, tiens, monofluide. En fait, t'as 30 jeux qui sont vraiment bien, mais vraiment, vraiment bien sur Wii U. Et après, bon. Les sous, mon gars. Voilà, on est déjà allé. On y est déjà allé. Ah, on a pris 5 petits levels, franchement, ça c'est propre. Allez, à la suite. Merde, j'ai ramassé un monofluide, mais ça me rend ouf. Tu vas attaquer, tu ramasses des trucs, quoi. En fait, ça qu'il faut que je fasse, deux attaques classiques et une attaque vénère. Du coup, après, je peux esquiver. Ah non, je peux plus esquiver, The Bee, ouais.
Mais je suis né pour en chier ou quoi? Oh, j'ai du bol. Oh. Attention derrière toi. En fait, j'ai l'impression que dos à dos, ces ennemis n'attaquent pas du coup. Mais dos à dos, les ennemis attaquent. Ah, si, ils attaquent des fois. Tu level 6, détendu. Mmh. Par contre, c'est pas au même endroit que je peux. De toi que chez moi, pardon, j'y arrive. On joue online au vieux PSO. Yes, dynastique. Yes, yes. Dans le Discord, tu as le lien pour télécharger le client et compagnie. Il est gratuit, absolument tout. Mais quand je dis tout, il y a absolument tout. Les mecs se sont fait chier et tout récupérer. Les events, les machins. C'est un truc de ouf. Donc n'hésite pas à le télécharger, à venir jouer. Là, j'ai recréé vite fait un perso pour. Pour faire pex et Naemar là, mais dès qu'il est niveau 40, je reprends mon perso. Donc si t'es chaud, ramène ton boule. Hein. Ramène ton boule, vocal pas vocal, ça c'est toi qui décides. Mais ouais. Dans Blabla Jeu, t'as le lien épinglé. Je crois que c'est dans Blabla Jeu. T'as le lien épinglé sur le Discord. Comment on va sinon? Ce jeu il est magique. Mais il est magique plus quoi. Télépipe. Merde, tu l'as pris? Oui. T'as pas honte? Non. Attends, je crois que j'ai un. Merde, je me suis gouré de touche. Je crois que j'ai un monofluide pour toi, non? Ouais. Allez, viens voir cette merde. Allez, forêt 2. Passe bien sur ma PS Vita et mes séries, nice. Ah, sur PS Vita tu peux jouer à Phantasy Star Online machin là. Comment il s'appelle? Phantasy Star Portable, parce que je m'en occupe, c'est ça que ça s'appelle. Il est pas trop mal en plus. Il ressemble un petit peu trop à Phantasy Star Universe là, mais en vrai PSU il est pas mal. Hein. J'avais pas trop kiffé parce que bah, tu pouvais pas trop créer ton perso, tout ça, mais en vrai c'était juste pour le solo. Mais sur PS2 à l'époque, il y avait que le solo. Et ouais, les mecs. À part peut-être sur Xbox, mais. PS2, trop de grave quoi. Parce que je sais ce qu'ils sont en train de me mettre, c'est con. Oh, j'ai plus de quoi me remettre de la vie, moi. On a encore deux, pardon. J'ai plus de monomate, moi je balance tout depuis tout à l'heure. Il manque aussi une monomate. Oh putain, soit atomiseur, on va les snakes. Oh, mais attends, on a rien donné à bouffer au mag. On est trop con. En tout cas, moi je suis trop con, j'ai zappé. Tiens, soit atomiseur. Voilà, très bien. J'ai joué à 4, c'est en version cube, c'est online. Donc j'ai pas vraiment testé toute la licence. Mais en vrai, si t'as joué à 4 sur la version GameCube déjà, t'as fait. C'est le best. C'est le best. C'est juste le mieux en fait. Moi je kiffe de ouf. C'est pour reprendre de la vie ça. Vie et mana normalement. Non. Moi c'est la version sur laquelle j'ai passé des centaines voire même des milliers d'heures. Quand il était online sur GameCube avec des potes et tout. J'en parlais tout à l'heure hein. C'est le jeu, j'ai les meilleurs et les pires souvenirs sur ce jeu quoi. C'est un truc de malade. Diffluide, c'est pour toi. Petit paralyse, on s'en bat les steaks, monofluide c'est pour toi, diffluide c'est pour toi, éclate-toi. Attends. On a vite lâché PSO. Ah ouais, bah moi non, j'ai du mal, j'ai pas pu. Moi, c'est le jeu sur le. C'est. Comme je disais, hein, j'ai les souvenirs de. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps des fois, quoi.
d'avoir niqué des soirées, d'avoir niqué des moments où j'aurais pu faire autre chose. Mais j'étais trop dessus comme un golemon. J'allais au lycée chercher de la fumette, je revenais en stop avec des potes et on séchait les cours pour passer la journée non-stop sur ce putain de jeu. Et après, il y a des moments où c'était trop cool, quoi. Des soirées de ouf. Des soirées de oufo, quoi, dessus. On se régalait, quoi. J'ai un pote, on jouait avec son frangin. Lui, il détestait ce jeu, il l'aimait pas. Il passait sa soirée à nous regarder jouer, quoi. Il devenait fou. Bien, ça va, j'ai 5 monomates. Je peux me mettre bien. Hein. C'est vrai que le Smash Bros de la GameCube, je crois que c'est le Smash Bros que j'ai le plus squatté, quoi. Plus que la version, les autres versions, quoi. La version, oui, j'y ai joué, mais sans pas comme un ouf. Pardon, excusez-moi. Et la version Switch, j'ai du mal à y jouer, je sais pas pourquoi. Je la trouve bien, il y a plein de persos, je trouve ça ouf qu'il y ait autant de persos. Peut-être que justement, il y en a trop. Et des fois, tu sais pas pourquoi ils sont là. Enfin, j'ai l'impression que sur la version GameCube, c'est juste ce qu'il fallait, quoi. Il y avait des drops, on peut pas qu'il y avait drop de boîte rouge. Ouais, surtout que sur GameCube, c'était assez rare en fait. C'est ça le truc. Là encore, sur celui-là, de temps en temps, comme je disais, t'as les Happy Hour. T'as les Happy Hour, ça lâche des objets de ouf, ça lâche des trucs de ouf tout le temps. T'es mort ? Attends, je vais voir si j'ai pas un star ou un sol atomisé. S'ils me laissent sortir, c'est con, ils sont en train de me coincer avant ça. Attends. Inventaire. Objet. Oh, je peux pas sortir. Non, j'ai rien. Ça marche bien ça ou pas? Faut que je les fasse péter ou comment ça se passe? Que je perds de la vie moi. Ah non, je perds pas de vie. Oh, c'est claqué en fait. Putain, j'ai un robot, je me suis jamais servi de damage trap quoi, mais je crains. Ouais, j'en ai pas, je suis désolé. C'est les star atomiseurs ou les moon, je sais plus, je crois que c'est les moon. J'avais des sols atomiseurs, mais ça c'est pour les effets néfastes. Je les ai filés au mag. Ouais, la version GameCube de Smash Bros, pour moi c'est vraiment la version ultime. Avec les trophées à débloquer et tout là. Les figurines, là, j'étais comme un ouf. J'étais comme un ouf. Oh mais ils sont combien, sérieux? C'est pour ce genre de moment, tu vois, là j'ai envie de te dire, mais filez-moi une sword quoi. Filez-moi les épées vieux énormes. En plus sur ce perso il est minuscule, ça va être magique. Ça va être magique. Wow. À chaque joueur peut jouer avec son Game Boy Advance. Non, c'est chaque joueur devait jouer avec son Game Boy Advance. C'était un peu ça le vrai le souci. Oh mais il y a des ennemis en masse, j'ai besoin de toi gros. Ah mais attends, qu'est-ce que... t'es à la base encore? Ouais. Ouais. Bah attends, bouge pas. Ah merde, mais non, c'est toi qui l'as le télépipe. Merde, j'aurais posé un télépipe, t'aurais pu revenir en fait. Est-ce que tu l'aurais eu... J'ai un sabre laser, ouais, j'ai un sabre laser. Il y a un truc, il y a un zone disque, ça c'est un disque pour balancer les éclairs. Ça c'est pour toi. Monofluide c'est pour toi aussi, putain. Lâchez-moi un monomètre que ça me sauve le cul quoi, il m'en reste un. À la fin du combat, ouais, récupère le disque zonde, apprends-le, ça t'apprendra la magie, magie foudre. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Est-ce qu'on a tout flingot ou pas? Ah non, il en reste un là-bas. Ouais, câble plus Game Boy Advance plus joueur. Moi le pire c'est que j'ai les... Enfin... J'ai des câbles et des Game Boy Advance. Et j'ai un pote qui a ceux qui manquent.
faudrait trouver un moment pour inviter trois potes. Essayer de se faire une soirée Crystal Chronicle à 4, quoi. Mais bon, c'est difficile, quoi. Bon, là, bah, en ce moment, c'est même plus que difficile, c'est juste mort. Ah, ben voilà, fallait. C'est là, voilà, c'est bon. On a fini la mission. L'intro, on a fini l'intro du jeu, je crois. J'ai le prop data. Et voilà, on a fini. Non ? Ah, faut que tu le prennes le prop data toi aussi peut-être. Okay. On peut pas aller plus loin. Ah bah oui, voilà, c'est bon. Est-ce qu'on a fini, ouais. Espèce de truc d'intro après. C'est ça qui m'avait perturbé, t'avais le truc d'intro comme ça et tu dis ouais putain, faut regarder des scénarios et compagnie. En fait après t'as juste à refaire les zones comme un Goliot, quoi. Mais bon là faut quand même aller parler, je crois, au patron. Good job. Qu'elle me redit des trucs, elle non. Ah oui, enrichissez votre guilde. Vous avez terminé la mission, voici votre récompense. Je sais pas ce que j'ai gagné, mais merci. Pourquoi ça me TP? Oh, ça m'a sorti du jeu. C'est ce que j'ai eu avant. Oh, y'a Sonic. Pourquoi ça m'a sorti du jeu? Organiser une partie. Alors, il y a toujours la partie pull pipi ou pas? J'espère bien, ouais. Attends, bouge pas. Pourquoi ça m'a kick? Nino, je tombe dans le coup, mais ça fonctionne pas direct. De quoi ce jeu là? Oui. Ah, faut que tu crées un compte. Faut que tu crées un compte. Pourquoi je travaille sur Ragdoll 1-1, j'ai déjà fait cette mission là, qu'est-ce qu'il me fait? Mais non, mais ça m'a kick! Ah, ça m'a kick, ça m'a fait sortir du truc, je comprends pas. Une partie, c'est ma partie. Pull pipi. Pull pipi. Le risque fait le mec. Ouais, encore un petit peu. Oh, genre, il considère que j'ai pas fini la mission, mais c'est un truc de ouf. J'ai fini cette quête. Puis c'est cancel. Et j'ai déjà fait cancel, motherfucker. Je comprends pas. Ça bug de ouf. Ça me renvoie ici à chaque fois. Ça te fait quoi, toi? Bah, écoute, tu marques ce que je fais avant. Ça te kick pas du jeu, toi? Bah, si je fais la même chose que toi, si. Ah, bah d'accord, bah attends, mais c'est bon, on a juste à recréer une du coup. Ah, je sais pas encore ce que. Oh, attends, c'est quoi, je vais recréer une partie pull pipi. Ça me va les couilles. Attends, faut pas sortir là. Voilà. Qu'est-ce que je m'emmerde. Je recrée une et puis terminée, quoi. Peut-être que le tuto, t'es obligé de te le faire comme ça et après, il t'emmerde plus. Je ne sais pas. Je vais reparler pour voir.
Yes, voilà, là, je peux faire une autre mission. Éliminer les ennemis hostiles qui se baladent autour du central dôme. Donc je vais t'attendre. C'est quoi ? Je vais t'attendre. Je vais pas faire les quêtes chiantes. On va. On va faire forêt 1, forêt 2, le boss, machin. On va se faire un truc cool. Sinon, ça va encore nous kick sur la chaîne. Alors, moi, j'ai une équipe un peu vite fait. Je suis dans la partie PUBG, la nouvelle. Ça j'ai pas, putain, tu guiche. Le merde, qu'est-ce qu'il veut bouffer ce con? Je peux rien donner, va chier quoi. Voilà, Draken a rejoint la partie. Très bien. Voilà, on va, je vais juste vendre des objets, voir si je peux m'équiper, et puis on va repartir en forêt, mais en mode aventure classique, on va pas se faire chier. Ça je vends. Et ça je vends aussi. Allez, très bien. Acheter. Dagger, handgun, voilà, y'a rien. Y'a pas de sword. There is a no a sword. Je vais acheter. Je vais acheter 8 monomates. De toute façon, j'ai pas le choix, j'ai pas de sous. Très bien. Impossible de se connecter au serveur de patch. Ah merde. Comment t'as fait toi, Neymar, pour lancer le jeu? Moi j'ai changé de leader, enfin le premier truc, j'ai lancé le jeu. Donc, je me suis connecté à mon compte en bas. Et après il a lancé le jeu, il m'a dit qu'il y a un patch, appuyé sur entrée, il m'a fermé le jeu, je l'ai réouvert. Je me suis reconnecté à mon compte et puis après je suis lancé. Et après ça a marché. Oui. Ok, bon bah tu fais ça, et c'est ça Dynasty. Et c'est ça. Élastique, on sait jamais. C'est bien, là. T'as bien pris le lien qu'il y a sur le Discord, Dynastique. Je suis parti dans la forêt. Hein. Putain, il y a déjà monofluide, il y a pas les steaks du monofluide. Il n'y avait pas mis, ouais, bah normalement ça devrait marcher là. Merde, putain, j'ai ramassé le monofluide là. Qu'est-ce qu'il est couille ce monofluide partout là. Tu m'entends même pas. Je mets deux monofluides côte à côte. Voilà, tu te démerdes. Ouais, bah réessaye comme il a dit pour voir si ça marche. C'est vrai que tout à l'heure Neymar m'a dit pareil, il m'a dit ouais ça marche pas, je dis ouais je sais pas, on essaye. Il faut pas se connecter, directement au... au launcher, pas au... pas sur internet hein. Yo Bikruza, comment va, bonjour, bonsoir. Ouais je m'amuse de ouf, moi je kiffe ce jeu. Je le kiffe ce jeu quoi, c'est maladif. Et demain je referai le planning pour la semaine prochaine. Je pense que je mettrai du... Déjà je vais virer GTA parce que ça me gonfle de streamer GTA. Ça met une demi-heure à se lancer, ce jeu est nul. Je mettrai Phantasy Star peut-être plutôt le samedi. Comme ça on se fera une session à plusieurs là, il y aura sûrement du monde. Il reste combien de... Ah c'est la fin. C'est la fin des happy hour. On va avoir des objets nuls maintenant, pas d'objets nuls. Y a du fight. Après, je t'avoue, moi, Dynastique, j'ai pas tardé non plus à aller au pieu. Ça a été une semaine chargée pour moi. Après, je sais pas si Neymar veut continuer à jouer au pire. Faites-vous du pex. Faites-vous du pex comme ça au pire la prochaine fois. On partira avec mon perso principal, on va se faire des trucs de ouf. Il y aura sûrement Kings aussi qui aura un bon perso.
toute façon, je vais pas t'en donner non plus. Je suis rincé de ouf. Hein. Cette semaine a été tonique. Ah, y'a pas de soucis, Nastic. Ouais, je te dis, bah, tu testes, fais-toi quelques levels. Moi, j'ai un perso level 37, quoi. Bon, c'est pas très haut. Après, comme là, tu vois, en fonction de qui vient jouer et quel est le level, je referai un perso, quoi. Ou je reprendrai celui-là. Le but, c'est qu'on passe une bonne soirée. C'est clair. Le reste, c'est de la littérature. La gueule est bâtard. Yes. Bien wesh. Ouais, oh, à la fin, quand t'auras les méga sorts de zone pour le soin et l'attaque, là ça va être magique. Tu vas tout casser. Pas eu de l'équipement de ouf, hein. Toujours rien. Objet. Ouais, j'ai rien de ouf. On va nourrir ces putains de mags. J'allais dire, j'ai pas regardé, mais si. Si, malheureusement, j'ai regardé. Il n'y a pas le coffre pour tous les persos. Ouais, que des sous. Quelle tristesse. C'est pareil, les sous on peut les drop. Donc si jamais t'as besoin de sous, je pourrais t'en dropper. Quoi. Il y a des chances qu'à la fin de la session, je te droppe les sous que j'ai sur ce perso, comme ça, vu que j'en ai sur l'autre déjà. Ah, j'ai fait bugger les moustiques, c'est con, excellent. Ah merde, ouais, du coup, ils sont revenus. Ah yes, t'as la magie foudre. Ah, elle est bien, elle est claquée bien, la magie foudre. Parce que là, c'était quand t'es sûr de toucher, quoi. Parce qu'elle a pas. Elle attaque instant, quoi. Un petit sabre vert. Petit handgun, truc nul. Monofluide. Un monofluide. Merde, je tape dans le vide. Bien wesh. Dimate. Gun. Télépipe, je le prends cette fois-ci. Enfin, si tu claques, je balance le télépipe. Ah là, je rêve d'une sword. Les épées larges là, qui touchent tout le monde. Pff, qu'est-ce que c'est sale ça? Non, parce que c'est les sorts de tout le monde. Ça, c'est de la merde. Pif, pef. Putain, c'est chiant. Le bouton attaque et le bouton ramasser, quoi. Ah, par contre, c'est une idée, c'est quoi? Molomate, ça c'est de la magie, et ça, je sais pas. Prends ce qu'il te faut, mets-toi bien. Putain, la touche.
Yes. Ah bien, t'as pris la magie. Magie glace, t'as feu glace foudre, parfait. Ça va, machin ? Mon objet tout fou. Feu glace foudre. Tout en souplesse. Ah, enfin une barrière. Alors, attends, vite, avant de nous faire ouvrir le cul. Je vais m'équiper de la barrière. Voilà, moi déjà je prendrai moins cher. Je pense que tu peux te retourner là, ils vont. Ouais, c'est bon. Tu les as flingués ou pas? Non, non. Ah putain, dommage. Là, j'ai des objets intéressants des fois. Et en Happy Hour là, il lâche des trucs de ouf en plus. Vers toi. Oh, ce qui m'a mis ce con. Attends, tu m'as mis un coup d'éclair sur moi là ou quoi? Eh. Merde, je sais même pas ce que j'ai ramassé quoi. Ce que j'ai ramassé comme merde pour voir. Ça va, c'est pas un monofluide. All is ok. Yes. T'as le sort de soin au moins? Non. Ah bah prends-en des monomates alors. Non, pour l'instant ça va, j'en reste pas à distance, les monomates ils sont 2. J'en ai 7. On prend 3 dans quelques-uns quand même. J'en reste pas à distance, comme je le fais, ça devrait pas être trop vite. Et paf mon gars. Je me rappelle au début, tu prenais plein de levels, ça allait vite, c'était trop bien. Sur la fin où je jouais à ce jeu là, pourtant je jouais en difficulté max et tout. Et je prenais dans la journée, je prenais un demi-level. Alors que je jouais comme un ouf. J'étais là niveau 183, je prenais un demi-level dans la journée. Parce que encore je ponçais le jeu quoi. Je ponçais les combats, il se faisait un maximum de trucs. J'étais là, je fais putain, mais jamais je serais niveau 200. Je crois que je sais pas. Je me rappelle pas avoir été niveau 200. Il m'a fait mal ce jeu. Il m'a fait mal de ouf ce jeu en fait. Parfait. Tiens, que dalle. Non, non. Oh les enfoirés quoi, rien du tout. Rien du tout. Par contre, c'est pas mon dernier fluide. Merde. C'est ton dernier monofluide? Ouais. Ah merde. Au pire, on pourra prendre un pipe et tirer en acheter. Hein. J'ai deux télépipes en plus. Je pompe. C'est la petite télépipe là, détendue. Dagger. Ah, dagger, c'est pas mal, remarque. Ça peut les dizzy un petit peu là, ça peut être sympa. Je verrai après. J'ai gardé cette arme à la con pour l'instant. Fais gaffe, il tape. Voilà. Alors attends. Équipement. Ah.
+15% sur les natifs. Parfait. C'est eux les natives. Ah bah. Balou. Je suis le mongol. Quoi? Je suis le mongol. Je prends mon fluide derrière, je prends le niveau. C'est mon dernier monofluide. Ah yes, tu veux que je claque un télépipe? Ah bah attends, j'en ai un. Alors pense, si c'est toi qui claque le télépipe, tu dois revenir sur le terrain en dernier. Parce que si tu prends ton télépipe disparaît là dans le hall. D'accord. J'ai des sous en banque, moi. Oh, 300, allez. On va tirer les objets. Non, que dalle. Allez. Allez, impec. Alors, qu'est-ce que je vends? Ça, je vends. Ça, je vends. Y a pas de sword, putain. Hein? Quoi? Ah. Non, je parle à ma femme. D'accord. Je vais en racheter un, ça j'en ai 8. Réanime un coéquipier, hop, j'en prends un. On sait jamais. Tu as besoin de sous ou pas? Je suis quasiment sec. Hmm? Je suis quasiment sec. T'as acheté les monofluides ou pas? Ouais, j'ai pu en acheter peu, quoi. Vas-y, je vais te filer des sous là. Tu vas t'acheter des monofluides. Faire tomber, bim. Tiens, c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai là, tu me dépouilles. Ça, ça fait en première, faire une femme robot, quoi. C'est clair. Le gigolo pour faire une femme robot, quoi. En même temps, le mec, il a des chaussures compensées de ouf. C'était sûr. C'était sûr. Par contre, attendu, c'est ma femme qui va sortir que je guette. Non, faut que je surveille. Il y a un autre toutou ou quelque chose qui arrive. Allez, gaz. T'as entendu ou pas? Non. Dis-moi. Je disais, je vais juste attendre. Il y a ma femme qui va sortir avec le chien. Faut juste que je les guette d'en haut. D'accord. D'accord, d'accord. Ah, vas-y, je fais un peu de ménage en attendant. Ok, oh, tu meurs pas? Oh, jamais. Là, il va y avoir les gros singes, là, ils vont péter la gueule, mais... Bon, c'est le jeu. Trop le piège. PF. Je pense être meilleur là. Je touche à tous les coups même quand je fais des attaques attaques vénères. Pas de ouahou. Y'a rien, y'a décès. Ok, tac. Et si où? Oh, mon homme est encore frais. Fraîcheur fraîche. Je peux pas y aller. Je ne peux point y aller.
Ah ouais, mais je fais trop mal en vrai, là, ça y est. Ouais, faut que je rate pas mal, mais sinon c'est bien. Yes. Ça, c'est cool. Indispensable, ce petit truc-là. Elle est monolithe. Elle est monolithe. Tu level 10, fais du bien. C'est ouf quand même, ce jeu sortir aujourd'hui, ce serait un scandale. Ce serait un scandale. Putain, c'est énorme. Chargé. J'ai pas besoin de récupérer les objets au sol, c'est parfait. Genre l'oiseau, il croit qu'il va me flinguer ou quoi? Plus de fou, va. Hein. Vas-y, levez-vous bande de cons, on va rigoler. Ah. Faut avoir mon eau fluide quoi. Saber plus one. Je vais continuer, il les récupère. Normalement, il le voit sur la map, les objets. Les objets apparaissent sur la map, évidemment. Inventaire, le mag. Heureux. C'est bien passé? De quoi? Ça s'est bien passé? Oh ouais. Et j'ai appris le Photon Blast par là. Incroyable. Oh, je t'ai laissé des monofluides sur le chemin. Sauras-tu les retrouver? Gauche, proche. Gauche, j'ai l'impression. Donc là, il y a une sorte qui s'en fait parler. Trouver le totem. Je fais le ménage, PPR.
On n'a pas mis là. Alors, le là. T'es blindé? Ah non, mais c'est parce que t'as trop de monofluide. Ouais, c'est pour. D'accord. Hop, dagger verte, pourquoi pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il t'a mis, le con? Petite châtaigne là, détendue. Il y avait une prends là hein, si j'ai pas vu si il y avait une monomute. Ramasse, te fais pas chier quoi. Mais genre je touche personne ou quoi? Tiens, saleté. Détendu mon gars. Complètement détendu. Il y a un de foot qui est mal aussi, c'est pas le ramasser. C'est un enjeu de feu. Mais en haut là. Où? Dans la salle juste avant de là où on était. Non. En haut à droite là. Là? Ouais. En haut là, monomètre. En haut de la pente. Pas de musée du tout. Ça va pas le ramasser. Voilà. J'ai rien du tout moi. Alors c'est bugué quoi. Je vois rien du tout. Quoi, t'as un truc à ramasser là? Ouais là, en dessous de moi là, en dessous de mon cou. Vas-y, c'est de le ramasser. Non, je peux pas. Ah bah c'est bugué, c'est que j'ai dû le ramasser mais il a pas disparu. Du visuel. Ah. Le visuel a pas disparu sur le serveur peut-être. C'est bugué mon gars. Ouais. Bugou. On a automatisé. Un barrier. Ouais, prends la barrière, vas-y. Sinon, je prends tout, moi, à chaque fois. Là. Serre-toi, mon gars, serre-toi. Y'a un truc à faire, là, ou pas? Non, que dalle. Ah bah, écoute, le barrier, il me fait rien. Il est équivalent sur l'objet. Bah, prends-le, c'est pas grave, tu le vends. Ouais, pour des flottines. Oh! Oh, ce qu'il m'a mis! Oh. Qui m'a mis ce con. Il m'a goumé le gouma. Merde, je ramasse un monofluide, mais quelle vie de merde. C'est moi la paix avec vos monofluides tout claqué quoi. Pendant ces moments-là, si j'avais une sword, mais je fais tellement mal, quoi. Je tape tout le monde, nique sa mère. Nique sa mère le maire. Aïe. Ouf. Ouf. Oh, lui c'est un vénère en plus, le bleu. Oh, ce qu'il m'a mis ce con. Ce qu'il m'a mis quoi. Ok, oh, 500 power matériel, je vais le prendre. C'est pour les l'attaque. Magical machin, ce sera pour toi, mais. Power.
moins que tu veuilles taper fort, je sais pas. Ça, on s'en fout. Ça va partir à la vente. Après, faut pas avoir peur de vendre des trucs, de prendre des trucs pour vendre. C'est même si ça se vend pas à grand chose, en fait, c'est le cumul de tout. Et du monofluide. Toi t'es j'dite. Et j'dis d'où. C'est pas fini. Ouais, je sais. J'ai réussi à pas l'interrupteur ou un truc en dessous des fois. Ils sont derrière toi. Attention derrière toi. Là, je puisse pas gérer un peu les modalités de la partie, genre faire en sorte que tu puisses vraiment bien partager l'XP et compagnie. Quoi. Même si tu couches pas, tu prends quand même l'XP. Quoi. Ah. Monomite. Monomite. Ah, j'ai le Photon Blast à 90%. Ça, c'est bien, c'est pour le boss. Le boss, il est au bout là. Oh, je passe un petit level en plus. Le nombre de châtaignes que je prends, tu m'étonnes que ça augmente. Oh, attention, il y a deux gorilles qui arrivent. Il y a deux gorilles qui arrivent. Super. C'est quoi déjà? Oui, c'est comme ça. Je vais le garder pour le boss. Oh, une trimate carrément. Non, je vais entraîner mon mag. Ça va avoir un petit bonus. Parfait. Oh, j'ai un monofluide, je crois que je te le passe. Et voilà, nickel. Ouais, les trucs quand tu sais que tu vas pas l'utiliser ou quoi, bah tu l'es à ton mag, vois ce que ça vaut. Toi, faut que ça t'augmente forcément le mind en priorité, quoi. Faut que ça t'augmente la magie. Mais bon, après, ça peut augmenter un peu le reste, quoi. Ce qui peut ne pas être intéressant, par exemple, ce serait la force. Augmenter la force physique, bof. Oh, ce qu'il met, ce con. Oh, ce qu'il me met, quoi. Une trimate encore, si merde. Allez, le boss. Le boss. C'est en train de faire. Ah. C'est pas le temps de dire. Ah ouais, faut le faire descendre. Moi, je peux pas l'attaquer s'il est pas descendu. Là, il y a 4 fois. Faut que tu mettes de la magie dans le bout là. Ah non, il est là. Parfait. Wow, c'est... Oh ouais, il va le manger, ça de ouf. Quoi, c'est tout? Ça lui a rien fait. Oh. Je suis où? Je suis couché.
yes. Il est tombé comme un coup, c'était très bien. Voilà, je sers plus rien. Donc il tombe pas, je sers à rien. Non, je crois que tu peux encore le toucher avec les éclairs et tout comme ça, mais je suis pas sûr. Tu y remarques. Vraiment, t'as une portée de ouf. Ouais, ça de dégâts. Aïe, c'est le décès. Ça, attends, j'ai ce qu'il faut. Faut juste que je trouve où t'es. T'es où? T'es là. Enfin, je me le mets en raccourci, faut que j'y pense. Oh putain, et puis pile quand j'arrive, il se barre évidemment. Ah, faut pas rester trop en dessous, faut pas rester trop devant non plus en fait, faut se déplacer. Bon, je tourne autour généralement, ça passe. Ouais, faut l'enculer là. Tomber là, vas-y, je vais sur la tronche, ça fait plus de dégâts à la tête. Ouais, lâche la tête, ça fait vachement plus de dégâts. Fais gaffe ta life, hein. T'es middle, essaie toujours d'être cool. Il fait des dégâts ce con. Allez, alors là tu tournes. Moi généralement je fais. Voilà, je suis les lignes, tu vois, sur le bord. Généralement il a du mal à me toucher si je suis les lignes sur les bords. Là, je fais le tour tranquillement jusqu'à ce qu'il revienne quoi. Voilà. Allez, on reprend le combat. Gros combat, hein, évidemment. Oh, genre il reste 3 PV. Ah, il va sous terre ce coup. Allez, la même. Tu sais pas où aller du coup ce con. Magique. Oh. T'as touché ou pas? Non, non. Yes. J'ai vu passer derrière moi. Non, normalement il te touche pas justement quand tu fais comme ça. Allez. Bah normalement il devrait claquer comme du roseau, faut pas déconner. Voilà. Et une foule en délire lui lançait des bigorneaux. Voilà. Oh, il m'a dégagé. En tombant il m'a dégagé ce bâtard. Level 13. Star Atomizer, nice. Dagger. Je laisse tous les trucs de magie hein, comme d'hab. On en a IQ, pourquoi pas. General Mind, prends-le. One of it, prends-le. General Mind, tu sais, c'est les trucs que tu mets sur les slots de. Des armures, t'as des armures qui ont des slots. Et une foule en délire. Une foule en délire. General Body, ça je prends. Can plus 2 ici. Ah, vision, ça se voit. Il y a une canne plus 2 là. Fais le tour, sinon tu vas là, tu la verras. C'est bon, là, tout ouvert ? Non, j'ai tout ouvert de mon côté. Ok, mais de l'autre côté, t'as une canne plus 2 à ramasser. Ouais, yes. Ah bah, nickel. Pourquoi n'y a-t-il plus de PS1 Challenge ? Si, demain. Demain soir, lundi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. J'ai fait le planning spécial confinement sans merde. Du coup, j'essaie de streamer bah, souvent. Quoi. Bon. Mais je vais pas streamer que de la PS1, sinon je vais devenir fou. Faut que je stream des jeux où je discute avec les gens.
Mais sinon, mais là, c'est le confinement qui va me flinguer le cerveau. Je suis pas prêt à ça, moi. Oh, le PS1 Challenge, il reprend demain. Le Pole Station. Look, it's a Pole Station. Ça, je vois pas. Ça vaut plus. Hein. Je vais tout vendre. C'est quoi ce personnage? Je pense que je vais pas le réutiliser de sitôt. Voilà, on va garder l'essentiel. T'es où? Bah où? Ah mais oui. C'est quoi, j'ai tué les sous comme ça, si jamais tu passes quelques levels pour la prochaine fois. Inch'Allah. Pour la prochaine fois au moins t'auras des ronds. Ah non, j'ai lâché un zénith quoi, le coup. Un Meseta. Là, je t'ai mis des ronds ici, là, du coup. J'ai peut-être d'autres ronds à te filer, je vais regarder. Non, j'ai plus rien. Je t'ai mis des sioux. J'aurais pu te lâcher un par un, ça aurait été plus drôle. Mais... Non. Ouais, je vais quitter là, par contre. Bon, du coup, est-ce qu'elle a le truc maintenant qui peut soigner? Pardon? Resta. Par contre, j'ai une question con. Là, j'ai le Resta level 3 en 10. J'ai rien compris. Du level 1 et du 2 alors, du coup. J'ai rien compris. J'ai le disque Resta level 3. Ouais. Mais est-ce que je suis obligé d'acheter le level 1 puis le level 2? Je crois pas. Je crois que quand tu mets le level 3, du coup, c'était le... tu passes directement au level 3. Tu l'utilises, t'es directement level 3, du coup après les autres ils vont être grisés pour dire que t'as pas besoin de les utiliser parce que soit t'as un truc mieux, soit t'as pas le niveau pour utiliser. Généralement c'est que t'as un truc mieux. Bon les gens sur le stream, moi je vais vous abonner là, je vais en profiter ce soir pour faire un gros dodo, ça va me faire du bien. Je vous dis à demain, peut-être demain genre un petit 14-16h sur un jeu incroyable évidemment. Trois contests. Et demain soir, évidemment, on reprendra Digimon. Sûrement avec, je sais pas si Big Bess ou Blazer qui va venir en vocal parler un petit peu de son expérience du marathon. Mais voilà, il viendra faire des bisous. Ce sera incroyablement magique. Hop. Je vous dis bonne nuit à tous. Je vous remercie encore. C'était très cool. Soyez sages. Bye bye. Dans la partie de temps. Il n'y a plus qu'en haut, c'est le...